Dice pero vale. Today is the day, disciples' day of Raya Ramananda. He's a great teacher in our lineage. Can you please send to Radhana Rupani? Yes. Aujourd'hui est la disparition de Raya Ramananda, un saint très exalté, un enseignant très exalté. Vande Guru Pada Dandam Bhakta Brinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nittananda Sahoditam Sri Nanda Nandana Vande Shri Radhika Charanadayam Shri Gopijana Samajuktam Shri Vrindavano Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare First of all, I offer my prostrate obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, Grand Spiritual Master, Founder of all Gaudiya Math, His Divine Grace, Shri Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the Acharya. Jai Gurudev. Of Sri Brahma Madhya Gaudiya Saraswat Sampradaya and pure devotee as well. Tout d'abord, j'offre mes hommages respectueux à mon bien-aimé maître spirituel, sa divine grâce, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur. Ensuite, à mon grand maître spirituel, le fondateur de toutes les Gopinath, de toutes les Gaudiya Math, sa divine grâce, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, ainsi qu'à tous les acharyas de notre lignée spirituelle. So, actually, it has come to my mind. You know, this who is from Montreal? Montreal, you are from Montreal, right? Lila. Qui est de Montréal? Lalita Devi? Vous pouvez... From Montreal, right? God, Sid. Yeah. Oh, Saraswati. So who is there from Montreal? There's Jannava Devi from Montreal. You know, there is also different devotees was there, but they're not. Could you please convey the message to Jannava and then all other devotees that, not now, next class. Anyway, today is the very auspicious day, although it looks like it's disappearance day of Raya Ramananda, but still it is auspicious. Why? Because Vaishnava, great Acharya, their appearance and disappearance, both are auspicious. Aujourd'hui une journée très spéciale, c'est la disparition de Sri Raya Ramananda. Et bien qu'on puisse penser que la disparition, c'est un jour négatif ou triste, mais ce n'est pas le cas, parce que pour les grands acharyas, les grands saints, les jours d'apparition et les jours de disparition sont tous les deux très spéciaux spirituellement. You may have question why. Disappearance means separation. Actually,
we are not dying. We are just changing our body according to karma. Vous pouvez penser, mais une journée de disparition, c'est triste, une personne qui quitte ce monde. Mais en réalité, nous ne mourrons pas. Simplement, nous changeons de corps. So pure devotee, when they are on this material world, always they are doing auspicious things. And devotees, they are going, a pure devotee, they are going back to their eternal home. So therefore, eternal home means Goloka Vrindavan. That place is eternally blissful place. This place is miserable place, material place. Material world is actually miserable. But Goloka Vrindavan is actually eternally blissful place. So Vaishnava enter to that place and engaging themselves to serve divine kafal. Donc tout ce qu'accomplit les purs Vaishnavas, les purs saints, quand ils viennent sur ce monde, dans ce monde matériel, c'est de bon augure. Et lorsqu'ils quittent cette planète, au fait, ce monde, cet univers matériel est un lieu de souffrance, de misère. Et eux, ils partent pour retourner dans la demeure spirituelle qui est remplie de félicité éternelle. This Rai Ramananda, one of our great teachers. I think Janaki doesn't know that. Do you know Janaki? Rai Ramananda. She said no. Rai Ramananda is, do you know Lalita Vishakha? Est-ce que vous connaissez Lalita et Vishakha? Eight principal associate of Radha Krishna. Ce sont les huit compagnes intimes principales de Radha et Krishna. The eight of two, Lalita Vishakha. So Rai Ramananda is Vishakha Devi. Appear in the form of Rai Ramananda. Rai Ramananda. Et donc, Lalita et Vishakha sont deux des huit compagnes intimes principales de Radha Krishna à Vrindavan. Et Ramananda Roy et Vishakha Devi. And, you know this, you may have idea that so they are Vishakha Devi, they should be always born in auspicious place and always engage themselves to serve Lord. But he born in such a family that he become governor. Vous pouvez penser qu'une personne comme Vishakha ou Lalita, lorsqu'ils apparaissent, ça doit obligatoirement être dans le service direct du Seigneur. Mais là, il est venu en tant que Rai Ramananda, dans une famille de gouverneurs. Il a pris le rôle de gouverneur d'État en Inde. So, the Supreme Lord, Sri Krishna, appeared in the form of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya wants to deliver him. He is to be in South India. Actually, this Rai Ramananda was in South India. So Lord Chaitanya went to South India for actually delivering this Rai Ramananda. Le Seigneur Chaitanya, donc le Seigneur suprême qui est Krishna qui est venu en tant que Mahaprabhu, il est venu en Inde et il a voyagé dans l'Inde du Sud pour délivrer Ramananda Roy. You know, according to the desire, Lord Chaitanya went to South India, sitting bank of Godavari River. This is the first meeting between themselves, Lord Chaitanya and Rai Ramananda. So Lord Chaitanya sitting in the bank of Godavari River, and all of a sudden, then there is a
government royal dress and so many musical team, so many dancer, they're dancing, just governor coming to take bath in Godavari River. Therefore, that's such a huge, huge arrangement, glorious, luxury arrangement. Okay. Musical team, dancer, everybody there. Comment s'est passée cette rencontre? Elle s'est passée à Godavari, au bord de la rivière Godavari, dans l'Inde du Sud. Et Ramananda Roy était donc gouverneur de cet état. Mahaprabhu était au bord de la rivière pour se baigner. Et soudainement est arrivée une procession, une fanfare avec des danseurs, des musiciens et une procession royale, au fait, qui emmenait donc Ramananda Roy au bord de la rivière. So, then all of a sudden, Rai Ramananda saw Lord Chaitanya, and there, then he felt some space. And then they meet each other. The Lord Chaitanya embraced Rai Ramananda. Then everything, all his opulent mind gone and appear full of renunciation. The mood of renunciation. Ils ont rencontré pour la première fois, donc Ramananda Roy, dès qu'il a vu Mahaprabhu, il a tout de suite renoncé à son attitude royale. Et avec Mahaprabhu, ils se sont tout de suite reconnus et ils se sont étreints fermement les deux. So then he says, first I saw you as a sannyasi, but now I see you as a Shamasundar, Krishna. Et Ramananda Roy a dit, mais d'abord, je vous ai vu comme un renonçant, un moine, mais maintenant, en vous regardant, je vois Shyamasundar Krishna. So then, after that long conversation, Mahaprabhu invite him to come to that place where I'm staying. That it is the place that's a Brahmin house. Et après leur conversation, une longue conversation, Mahaprabhu l'a invité à le rejoindre dans la demeure du Brahmana, chez qui Mahaprabhu restait. So, that same day, evening time, that Rai Ramananda came with ordinary outfit, not like a royal outfit. And met with Lord Chaitanya. Le soir même donc de cette journée, Ramananda Roy est donc revenu à ce rendez-vous que lui avait donné Mahaprabhu, et cette fois-ci il était habillé de manière simple. Il n'avait pas tout son attirail royal. Then there's a long conversation. Mahaprabhu asking questions, Rai Ramananda answering. Et là a débuté un long dialogue où Mahaprabhu posait les questions et Ramananda Roy donnait les réponses. By the conversation, first, actually there is Varnashram dharma, this family maintaining family is the ultimate goal of our life. Then Mahaprabhu asking this, it is not ultimate, go ahead more. Then he says, karma is your ultimate goal of our life. It is not. Then karma shunna, without karma, just do everything. That is our goal. In that way, finally, they actually, the Mahaprabhu appreciate that
this prem, divine love, to get divine love is your ultimate goal of life. Mahaprabhu avait posé la question, quel est le but de la vie? Ramananda Roy a commencé par répondre en répondant que le but de la vie était de suivre nos devoirs prescriptifs religieux et sociaux. Mahaprabhu lui a demandé, n'a pas accepté cette réponse. Il lui a demandé, mais va plus en profondeur, s'il te plaît. Alors, il a dit, Ramananda Roy a donc donné la réponse que c'était le karma d'accomplir les actes et de les offrir au Seigneur. Et Mahaprabhu a dit d'aller encore plus loin. Alors, Ramananda Roy a dit que c'était le renoncement du karma et de la connaissance qui était le but ultime de la vie. Mais Mahaprabhu n'était pas satisfait avec ses réponses. Il lui demandait toujours d'aller plus loin, jusqu'à ce que Ramananda Roy lui parle du pur amour pour le Seigneur. Anyway, so in conclusion, when they come to conclusion, then Mahaprabhu asking that what is the best study amongst the all study? Means in that way, Prabhu kahe vidya madhye kon vidya sar? What is the essence of study amongst the all study? Then Raya Ramananda replied, Raya kahe Krishna bhakti bina vidya nahiya. Means there is no other super excellent study except Krishna bhakti, devotion, Krishna's devotion. Après que Ramananda Roy a donc donné une réponse satisfaisante en disant à Mahaprabhu que le but de la vie était le pur amour pour Krishna, Mahaprabhu a posé alors une autre question. Il lui a dit, parmi toutes les formes de connaissance, quelle est la forme de connaissance la suprême? Ramananda Roy a alors répondu que la connaissance qui a trait à la dévotion pour Krishna, c'est celle-là, la connaissance ultime, suprême, excellente. You may think about what is this? Is it not right? Most important is academic study, right? Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? C'est pas vrai. L'étude qui a le plus de valeur, c'est l'étude, la connaissance académique, n'est-ce pas? Is it right or wrong? Am I right or wrong? C'est vrai ou pas? No. Well, so many people have academic study. Then after that, you can see their life ruin. Nous voyons qu'il y a tant de gens qui ont des études tellement poussées, qui ont toutes sortes de diplômes, et malgré cela, ils ont une vie qui est ruinée. Miserable, ruin, can say. Why? Because we are split from our ultimate goal of life. La raison est que parce que on est éloigné de du but de notre vie. If you look in our life, everybody wants to be eternally blissful. Si on observe la vie, on verra que tout le monde veut être éternellement heureux. In order to become eternally blissful, they all we are just trying our best way to get some academic qualification or material any qualification. C'est la raison pour laquelle tout le monde essaye du mieux qu'ils peuvent pour obtenir de la connaissance matérielle et puis obtenir toutes sortes de diplômes. So why the Raya Ramananda says this is only this way, only this way, this is the Krishna Bhakti, the ultimate study in our life. Because Krishna is eternally blissful. If we really want to be eternally blissful,
And if you perform bhakti devotion towards Krishna, then we are able to reach Krishna and then we are able to become eternally blissful, reach our goal, ultimate goal, eternally blissful. La raison pour laquelle Ramananda Roy a dit que la connaissance suprême, l'étude suprême, la bhakti, la dévotion pour Krishna, c'est parce que Krishna est le plaisir, le bonheur, la félicité personnifiée. Donc, si nous parvenons par notre étude à obtenir Krishna, alors naturellement, nous aussi, nous obtiendrons ce bonheur éternel. Body immaterial. Le corps est matériel. This world is material. Ce monde est matériel. Everything changing. Et tout est soumis à. Nothing is stable. Rien n'est stable. And we are running behind material enjoyment with material things. And we are thinking we can be eternally blissful with material stuff. Et pourtant, nous courons après des objets temporaires, des buts temporaires, avec espoir d'obtenir un bonheur éternel. We can see body is not supporting us. Nous voyons que même notre corps, il n'est pas en notre faveur, il ne nous supporte, il nous soutient pas. Do you think body is supporting? Pensez-vous que votre corps vous soutient et en votre faveur? So you can see body become old, who cross 50, then you can ask them how their muscle cramping, all the bone is giving them trouble. Il suffit pour cela de demander à quelqu'un qui a passé les 50 ans pour comprendre que le corps commence à apporter toutes sortes de souffrances, de crampes, de douleurs aux os, etc. Although we are trying our best way to make our skin no wrinkle, but so many wrinkles, so much things are going on. Malgré qu'on essaye de tellement différentes manières d'enlever les rides, il y en a tellement qui apparaissent encore et encore. So there day by day, we are running towards death. De cette manière, jour après jour, on court derrière la mort. Therefore, we should always think about what we're supposed to do. C'est pourquoi nous devons toujours réfléchir à ce que nous devrions réellement faire. You know, always we have to think about how we can be blissful. But intellectually, if you think, then we can see we have to be with Krishna, then we can be eternally blissful. De réfléchir de quelle manière nous pourrions devenir éternellement heureux. Simplement réfléchissant d'une manière logique et intellectuelle, on peut comprendre que d'atteindre Krishna nous permettra d'être éternellement heureux. In this regard, one great, great Vaishnava poet named Vidvapati, he wrote one poem. The poem name is Parthana, means prayer. In that prayer, he composed that Tatala Shai Kata Bari Bindu Shama Shutamita Ramani Shama Je
Tohe bishwari mon tahi shamar pilu. Abo mo juhabo kan kaji means tatala means very hot. Shoi kata means sand, hot sand. Bari bindu. Bari means water. Bindu means a drop of water. Shama means equal. Tatala shoi kato bari bindu shamo. Our life in this material world, if you just calculate with Brahma's life duration of life and our life, it's like our life duration, like one drop of water, if we put on the hot sand, how much that water duration on the hot sand, our life's duration also same thing, if you equivalent with Brahma. Donc, ce poète saint dévot qui s'appelle Vidyapati a composé un poème à ce propos pour illustrer ce que Guru Maharaj a expliqué jusque-là. Il compare la durée de notre vie en comparaison avec la durée de vie de Brahma, le créateur de l'univers. Il la compare au même temps que ça prend pour une goutte d'eau pour s'évaporer dans le sable brûlant d'un désert. Do you know Brahma's life duration? Connaissez-vous la durée de vie de Brahma? You can see from the scripture that he has only 100 years. D'après les saintes écritures, il est décrit que sa vie dure 100 ans. He has also 100 years. Nous aussi, notre espérance de vie est de 100 ans. But calculation of 100 years, if you look Brahma's calculation, one day means how many years? Mais selon le calcul du temps par rapport à Brahma, combien de jours pour une année de Brahma? Golden Age, Silver Age, Copper Age, and Iron Age, 4 age. Means Satya, Treta, Dapar, Kali. Four age all together we call one Chaturjug. The 71 Chaturjug means one Manmantar. 14 Manmantar means Brahma's one day only. Donc, quatre âges combinés, c'est-à-dire l'âge d'or, Satya Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga et Kali Yuga. Nous sommes à présent dans le Kali Yuga. Donc, ces quatre âges forment un Devya Yuga. Et 71 cycles de ces quatre âges forment un Manvantara. 71 Mahayuga, one Manvantara, Guru Maharaj. Yeah. Yeah. Et donc, 14 Manvantara. Et donc, 14 Manvantara constituent la durée de un seul jour pour Brahma. You know, this only daytime have creation. You can born, you can die. Brahma create. Night time, our night is there also. Full day. Et en plus, night time, no creation. En plus, la création, elle se passe seulement durant la journée de Brahma. Et ensuite, il y a la nuit avec autant de temps. Mais durant la nuit de Brahma, il y a rien qui se passe. So our one day means 24 hours. Notre jour, c'est 24 heures. So, just look. What do you say? One drop of water, if you put on the hot sand, how much duration of the water, that much our life duration here in the material world, if you equivalent with Brahma. Vous voyez, une goutte d'eau qui tombe sur du sable brûlant et qui s'évapore instantanément, voilà la durée de notre vie réellement par rapport à la vie de Brahma. So such a short duration we have. La durée de notre vie est si courte. We supposed to engage our mind to serve you. Oh Lord, we supposed to engage our mind to serve you only. But that mind I engage
Shishutomito Ramoni Samaji. I engage to look after their Shuto, our children, Mito, friend, Ramoni, wife, surrounding them. Donc, Vidyapati continue dans son poème. Ce poème s'appelle Prarthana, qui veut dire prière. Il dit, au Seigneur, j'aurais dû m'engager mes pensées à te prier. Néanmoins, je me suis engagé complètement juste à m'occuper des enfants, de mes amis et de ma compagne. Just to look. Just we should think about it. What he said. A cool mind, think about it. Nous devons réfléchir sur ses paroles avec un esprit paisible, posé. The Vidyapati gave a nice, valid point. De comprendre que les points que Vidyapati nous donne sont très valables. Think about Lord. Lord, actually, look after us all the time. Le Seigneur, en réalité, il s'occupe de nous depuis toujours. Lord, look after us all the time. Do you believe it or not? Il s'occupe de nous tout le temps. Vous y croyez ou pas? Just to think about. Lord, look after us all the time. I just give an example. If you have respiratory problem, you have to buy oxygen. Doctor will say, buy oxygen. The cost of oxygen cylinder, I think India is 3,000 rupees. Whole day if you want, 3,000 rupees at least. But just to think about that one day in India to buy oxygen and supply and get support of our life by oxygen, it cost 3,000 rupees one day. The thing about since we born, Lord give us free oxygen. Pour illustrer ce point que le Seigneur, il s'occupe de nous depuis toujours, je peux vous donner cet exemple que si vous avez des problèmes pour respirer, qu'il vous faut des bonbonnes d'oxygène. Une bonbonne d'oxygène en Inde qui durera toute la journée va coûter 3000 roupies, c'est-à-dire environ 40 euros. Mais regardez, depuis que vous êtes né, l'oxygène vous a été fourni gratuitement et en quantité illimitée. So Lord give us everything, but we are not thinking about Lord. We are not favoring Lord. Just we are busy with our material life. Donc bien que le Seigneur il pourvoit à tous nos besoins, nous agissons d'une manière on l'ignore, on ne fait pas attention à lui, on n'est pas reconnaissant de l'aide qu'il nous donne. So when we are able to realize it, when old age comes, body is not supporting anymore. Donc cette réalisation, elle vient quand l'âge, quand nous commençons à vieillir, c'est là que ces réalités commencent à devenir plus claires. Mostly people are like this. Young age, they want to spend as much as they are able to enjoy it in that way. But old age, they want to fix their mind towards Lord, but due to the their nature, due to the their nature of mind, always become naughty because they are not trying to engage. Since their childhood, if we are not trying to engage our
engage our mind to Lord in old age, it's very difficult to fix our mind towards Lord. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que dans la jeunesse, les gens ils ne portent pas d'intérêt à se tourner vers Dieu et ils préfèrent s'affairer à toutes sortes de choses matérielles. Et quand la vieillesse approche, alors ils commencent à se questionner sur ça, ils veulent plus s'absorber dans la spiritualité. Et malheureusement, c'est difficile si la pratique n'a pas été là avant. So, what happened? So, Vidyapati, in order to teach all of us, although he was not Daida, he engaged whole life towards Lord's services. In order to teach all of us, he composed like that. Abo moju habo kon kaje, whole life I am engaging my mind to serve that wife, children, and friends. But now I am too old. Although in mind I am trying to serve you, engage my mind towards you, O Lord, but it is always jumping from here and there. So please give me the solution. Donc Vidyapati, qui bien sûr n'est pas dans le même cas que nous, c'est-à-dire que toute sa vie, elle était dédiée au service du Seigneur, il compose néanmoins ce poème pour nous enseigner en disant, « Oh mon Seigneur, j'ai utilisé toute ma vie, toute mon énergie uniquement pour subvenir aux besoins de mon épouse, de ma femme et de mes amis. Et maintenant que la vieillesse approche, je voudrais penser à toi, mais mon mental, il ne cesse de s'évader ici et là. » Just to think about yourself. Pensez-y vous-même à propos de ce sujet. Your mind are you able to fix your mind towards the Lord during your chanting? Quand vous chantez, est-ce que vous êtes capable de fixer votre mental, de fixer votre esprit sur le Seigneur? Just think about it. Réfléchissez-y. You know, therefore, if you are not fixing your mind towards the Lord, it is impossible to go back to Lord, but close to Lord. And if you are not close to Lord, it is impossible to get blissful, become blissful. Because Lord is blissful. How much you close to Lord, that much you can be blissful. How much far from Lord, that much you can be in distress. Si vous n'êtes pas capable de fixer votre esprit, vos pensées sur le Seigneur, vous serez incapable de vous rapprocher de lui. Et si vous êtes incapable de vous rapprocher de lui, il sera impossible d'être heureux. Puisque le bonheur se trouve auprès du Seigneur. Et tant qu'on est loin du Seigneur, il n'y a que la souffrance. Just to calculate your whole life. He gives us such example. This Adha Janamo Ham Nide Gwailu. Half of my life just sleeping. Vidyapati, il donne aussi un calcul de notre vie, comment la vie a été dépensée. Pensez-y aussi vous-même, comment vous avez utilisé votre temps précieux dans la vie. Il dit, la moitié de ma vie a été utilisée dans le sommeil, à dormir. So 100 years of our duration of life, the half of our life is 50 years are sleeping, 50 years left over. Donc, disons que vous vivez 100 ans, alors cela nous laisse seulement 50. Among the 50 years left over, that you can see childhood, sickness, so much time passing. Childhood, you can see that there only until 15 years, it's very difficult to fix our mind. Always
our mind until 15 years become playful. Et en plus, sur ces 50 ans, nous prenons, prenons la, l'enfance, disons jusqu'à 15 ans au moins. Il est très difficile pour se concentrer. On a juste, un enfant, il a juste envie de jouer. Then, then when youth come, young age, youth come, then always we are engaging our mind to mind towards opposite sex, mostly like that. Et quand vient la jeunesse, alors de manière générale, l'esprit il est beaucoup concentré sur le sexe opposé. Therefore, Buddha Bhakti wrote that Nidhumana Ramana Rasharanga Matalu. Youth age, we are, I passed with women. Et donc Vidya Pati dit que toute ma jeunesse, je l'ai passée en compagnie de femmes. So how I spend my whole life. So please, Lord, be my favor. He says like this. Hey, Lord, oh Lord, tu abhi nugati nahi ara. Means if you are not taking me, then I have no hope for that, to deliver myself from this miserable world. Il continue Vidyapati en disant, voilà, mon Seigneur, comment j'ai passé toute ma vie. Et maintenant, je me tourne vers toi, ô mon Seigneur. Si tu ne prends pas pitié de moi, alors je n'ai plus aucun espoir. Why these topics appear? Because if we are not, we want, in our life, we want to be eternally blissful, but ultimately, all our endeavor failure and become eternally distressful. So then he can. Then he says, "Tu abhi nu gati nahi ara. Only your mercy will allow us to become an eternal servant close to you, and then I can be blissful. But if you really want to reach Krishna, you have to practice Krishna bhakti." Ce sujet de discussion, il vient simplement parce que nous utilisons tous nos efforts dans notre vie à obtenir un bonheur éternel. Un bonheur éternel, et malheureusement, on se tourne vers les mauvaises choses. Et c'est seulement, donc Vidyapati, il dit, seulement par ta grâce, mon Seigneur, je pourrais être délivré, je pourrais à être délivré de cette condition. Mais pour obtenir le Seigneur, il faut pratiquer la dévotion. Bhakti. Yeah. And therefore, in order to increase our bhakti, Krishna appeared himself in the form of Lord Chaitanya, in the form of Hare Krishna Mahamantra. And Lord Chaitanya instructing us, if you really want to reach me, if you really want to go back to spiritual abode, chant Hare Krishna Mahamantra, everything connected with Krishna Bhakti. Et pour nous, justement pour nous aider à développer notre dévotion pour le Seigneur, Krishna est apparu lui-même en tant que Chaitanya Mahaprabhu et en tant que le Mahamantra Hare Krishna, en nous donnant l'instruction de prendre refuge de ce chant, qu'en chantant ce Mahamantra Hare Krishna, nous développerons notre dévotion et nous approcherons du Seigneur. So Saraswati, how many rounds you are chanting? 33. Combien de tours tu chantes, Saraswati? Il faut que tu actives ton micro. 10, Guru Maharaj, she said.
Janaki, how many rounds are chanting? Et Janaki, combien de tours chantes-tu? One, 64. 64. Il faut que tu actives. No. I told you the other day, sometimes six, sometimes four, sometimes none, depends. If you just get the message, if you come to Montreal, then actually Prime Minister of Canada will give you $1 million. What you'll do? You'll say, "Oh no, this is actually night time. I cannot go." Or I don't know what time is it. I cannot go today. We have so much engagement. We'll go. So our, if we believe that our ultimate goal of human life to go back to spiritual abode, and in order to go back to spiritual abode, only Harinam will make us qualified to go back. Then if your mind have been fixed like this, then is it possible to make your Harinam chanting, Harinam schedule become flexible? Today some number, tomorrow no number, day after tomorrow another number. Is it possible? Parfois, on chante, on n'a pas l'inspiration, on chante deux, trois tours, des fois six tours, des fois plus, des fois moins. Et Srila Guru Maharaj, il dit, tout dépend en fait de notre foi. S'il y avait le premier ministre qui nous invitait à venir pour nous donner $1 million, est-ce que nous trouvions une excuse? Par exemple, « Oh, c'est trop tard maintenant » ou « Je suis trop fatigué, je ne viendrai pas ». Non, on irait tout de suite. Donc, de la même manière, quand nous avons la foi de comprendre que l'unique moyen qui nous permettra d'atteindre le but de la vie, c'est-à-dire d'atteindre la demeure de félicité absolue, la demeure de Dieu, que ce seul moyen est de prendre refuge du Saint-Nom, alors notre pratique deviendra beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieuse. Is it possible? Ignore. Est-ce que ce sera possible d'ignorer cette pratique? Ignore to go to Montreal and get the $1 million from Prime Minister. Est-ce que c'est possible? Immediately. Est-ce que c'est possible? Five-hour journey from Quebec City to Montreal. Le Premier ministre vous donne rendez-vous à Montréal pour vous donner $1 million. Est-ce que vous allez arriver en retard ou ne pas y aller, même si c'est 5 heures de route? Non, immédiatement, vous allez y aller. Lalita, it is true. You'll also go there, huh? So how many rounds are chanting? Because Krishna Bhakti's root is Krishna, Sadhu Sangha and Krishna Nama. La racine de la dévotion, c'est de fréquenter les saints et de chanter le Saint Nom. You can have Sadhu Sangha through books. Vous pouvez avoir l'association des purs dévots, des saints, à travers les livres. Many devotees, they wrote so many books. Bhaktivinoda Thakur, they print so many books, Bhaktivinoda Thakur's books, Prabhupada Bhakti Siddhanta's books, so many books are there available. Tant de dévots ont écrit tant de livres, Srila Saraswati Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur ont écrit beaucoup de livres, desquels on peut lire et avoir leur association. So anyway, so do you agree that Krishna Bhakti Bina Vidyanaiha, whatever Raya Ramanando replied,
no other study exists. Which study can allow us to become eternally blissful? Is it possible? Donc, Srila Ramananda donne cette affirmation que la connaissance suprême, la connaissance ultime, consiste en la connaissance de la dévotion pour Krishna. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Is it possible without? I think without Krishna bhakti, we are not able to reach Krishna. If we are not able to reach Krishna, it is impossible to reach our ultimate goal of life. Ultimate goal of life is eternally blissful. Krishna is eternally blissful. Krishna will take us to Krishna, towards Krishna. Le but ultime de notre vie, c'est d'être heureux éternellement, la joie illimitée. Donc, d'atteindre, d'obtenir Krishna, c'est ça, d'obtenir le but de notre vie. Il est lui-même le bonheur personnifié, la félicité personnifiée. So anyway, I think we can every day, whenever you come, all of you come, then we can discuss one topics, one teachings. This is Krishna bhakti. Then tomorrow, next time, as a khyati. Khyati means fame. What is the best fame among the all fame? Then Rai Ramananda says, Krishna bhakto, devotee, becoming devotees of Krishna is the best fame among the all fames. Nous pourrons ainsi parler de différents sujets à chaque session. Là, aujourd'hui, c'était donc la dévotion de Krishna qui est considérée comme la connaissance ultime. La prochaine question sera quelle est la célébrité la plus désirable? Alors, Ramananda Roy répondra que c'est la célébrité d'un Vaishnava. Nous pourrons ainsi découvrir différents sujets chaque jour. So anyway, so my request, Saraswati Devi, Lalita Devi, if you know Jannava, as well as all the Montreal French-speaking devotees, please inform all of them. I'm coming back here on Monday at the same time. So if you are coming, then we can have discussion about fame. What is the best fame? Why Rai Ramananda say Krishna Bhakta Bina Arnai Khyati? We can talk about that anyway. We have 3 minutes time. After 3 minutes, Zoom will close. No? So if you have any question, please let me know. Saraswati Devi should to inform Jannava Devi. I want to see all of them. Donc, pour les amis qui sont au Québec ou au Montréal, Guru Maharaj, il vous demande de passer l'info autour de vous, de dire que lundi prochain, à la même heure, il y aura encore une réunion. Et puis, Saraswati, Guru Maharaj demande si tu peux parler à Jannava Devi. Et si vous avez une question, il reste 2 minutes. Also Devamoyi, Janaki, inform Devamoyi. Janaki, si tu peux informer Devamoyi aussi. Il mentionne que tous les de Saraswati de contacter tous les dévots au Québec parce que je crois que le courriel il les reçoit pas, donc juste les appeler. Mm-hmm. Okay, so anybody has questions? Still, we have 2 minutes time. After that, automatically. Hi, Guru Maharaj. Hi, Krishna. Wow, Nimai. Wow, great. Hi, Krishna Maharaj. I wanted to ask you, there is a secret conversation between Rai Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu.
Do we know what topics was about? What? Huh? Repeat. Yeah, Ramananda and Mahaprabhu's Mahaprabhu conversation. There is a secret conversation also. Ah, of course, a secret message is there. Secret message is there, no problem. That we can talk. Did you know this? Wow, Lalita's father is there. Lalita's husband there. Okay. Anyway, so anybody question? If you have any question? Gurudev, have one question. Who is this? Gurudev, please accept my obeisances. I have this question, but usually we say we will go back to Godhead, back to Godhead. But we also say that we are not coming from Goloka Vrindavan. So please, I don't understand this. Could you please explain this? Oh, yes, long history. So because I only, finish. I think anytime Zoom can close. Anyway, so. But seeds form, we are with God. But God seeds planted by God in the marginal line. Like Nimai from France, right? Now he's in Australia. Austria. Right, Prabhu? Nimai? Okay. Yes. So now, if you have any affair with any girl, then a girl becomes get pregnancy. Right? The seeds, then you left Austria. Right? When this girl gave birth, after 20 years, when your son asking, Mama, what is my father? The mother says, your father in France, Mirpoix, right? The seeds form, your baby was in France. Then you planted in Austria, Vienna. Am I clear? Mm-hmm. It's just example. I hope you are. Am I clear or not? Yes, yes. Yeah. Okay, Prabhu, explain, Murti. Yes, Guru Maharaj. Donc la question de Nimai, c'est que on entend dire que on n'a jamais été dans le monde spirituel, mais en même temps, on dit qu'il faut retourner au monde spirituel. Donc, est-ce que nous étions à un moment donné dans le monde spirituel ou pas? Donc, Srila Guru Maharaj, il dit tout d'abord que c'est un sujet très complexe et qui prend beaucoup de temps à répondre, mais il donne un exemple. Il dit par exemple, Nimai, maintenant il est en Autriche, et s'il rencontre une femme avec qu'il rend enceinte, et que lui, ensuite, il revient en France, et que son enfant, donc il naît en Autriche, et quand il grandit, son enfant, il demande à sa mère, mais où est mon père? Elle va lui dire, il est en France. Mais la question, c'était, oui. Donc, en forme de ce, donc Nimai qui était en France, donc la France, c'est le monde spirituel dans l'exemple. Il vient de la France, Nimai, donc en forme de semence, en forme de graine, son enfant, il était déjà avec lui, sauf qu'il n'était pas manifesté. Mais Nimai, il l'a imprégné, donc cette femme, en Autriche, et c'est là que l'enfant, il est né. Donc de la même manière, le Seigneur, on vient de lui, mais il nous pose, c'est-à-dire il nous pose dans la région entre le monde spirituel et le monde matériel. Anyway, listen, so tomorrow is Saturday, right? Or Friday? Saturday. Saturday, according to Hawaiian time, 11 o'clock, I'll be in Montreal devotee, but in Bengali language class in Bengali language. Donc demain, il y a une lecture à 11h, heure de Montréal.
mais en bengali pour la communauté bengali de du Canada. Ah, but that means actually here 11 means your time or don't know what. Only Bengali language because Bengali devotees there. I don't know that. What is the link? I will create and send it. I will send it to Rebati. You have to create still. And I'll send it to Rebati. No, I have to send to so many. Okay, but I'll send it to you and we can send everyone. Right now. Right now? Okay. Okay, so I'll let you know Bengali, but my request is that Devamayi or so many others, the Jannava from Montreal, I like to see all of them. Bah, Mangalmayi, Madhavi, the Mangal Madhavi, Mangalmayi. Yes, Madhavi, she's there from Tuno. And only Madhavi there. Yeah. Madhavi. Madhavi happy. Krishnamayi happy, huh? Haribol. Haribol Gurudev. Hare Krishna. Haribol Gurudev. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna.